Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce lundi 27 décembre 2021. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Alors peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui sont en vacances et d'autres qui reprennent le chemin du travail. Alors je vais commencer par la phrase du jour. Les anges connaissent nos désirs et répondent à nos prières, que nous les pensions, écrivions ou que nous les désirions. Que nous les disions. Voilà. Ce matin, je vais venir à deux reprises. Donc, je me suis servi du voyageur sacré et je vais vous expliquer ce qu'il en est sorti. Et puis après, je vous lirai, comment dire, un texte, Être libre. Voilà d'autres petits textes. Et je reviendrai donc par la suite, plus tard dans la journée, pour vous dire les dires de ce qui se passe dans un autre pays, etc., etc. Et puis des preuves aussi dont j'avais vu aussi. Et le petit ange, il est travers. Voilà. Alors, je vais commencer peut-être par les phrases. Alors, être libre, c'est avoir. Être libre demande un certain courage. Le courage de se libérer d'un semblant de sécurité. Le courage d'oser être soi. Le courage d'assumer ses choix. Le courage de se détourner de ce que autrui attendent. Le courage de se faire passer en priorité. Le courage de se responsabiliser, le courage d'apprendre toujours plus, le courage de donner le meilleur de soi, le courage de choisir et le courage d'aimer qui on veut. Oui, dans cette société basée en grande partie sur la conformité, pardon, qui nous conforte par habitude dans une forme de victimisation. Il faut un certain courage pour oser briser ses chaînes, prendre soin de soi également et sortir du cocon inconfortable et vivre tout simplement. Nous sommes à l'aube du plus grand réveil collectif jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans une vague massive de transfiguration et de transition. Prenez le temps de rester tranquille, lâchez complètement l'ancien et dans vos moments tranquilles, de calme, laissez simplement la puissance de l'amour divin vous renaître. Permettez le miracle d'une nouvelle vie naître en vous à chaque souffle que vous prenez. Une nouvelle vie dans la nouvelle terre où l'on co-crée avec un amour inconditionnel comme un. Donc voici, voilà. Alors j'avais partagé, c'est vrai que c'était assez pertinent, j'avais partagé donc deux documentaires en ce qui concerne les vérités d'une grande pyramide et puis vis-à-vis de la Bible. Donc j'ai eu un commentaire. Ce n'est pas moi qui les ai retirés. Apparemment, c'est YouTube. Voilà. Donc j'étais étonnée hein, quand j'ai regardé ma chaîne. Je me suis aperçue que ces deux comment dire documentaires ont été supprimés. Donc apparemment, j'en ai conclu que cela a dérangé. D'accord? Alors, je vais vous expliquer ce qu'il en est sorti. Alors, ici est sorti avec le voyageur sacré. Alors, on va pas très bien. La protection des anges. Alors, ici. Ici, on vous dit céder le contrôle. Là, on ne voit pas très bien. Voilà, c'est beaucoup mieux.
Céder le contrôle, ok. Mais là, je vois, vous savez, comme une personne qui a une petite lanterne, voilà, qui quelque part essaye de vous amener à éclairer donc votre cœur et aussi à éclairer aussi, comment dire, vers quelque chose de meilleur et vous éclairer afin d'y voir un petit peu plus clair aussi, hein. Donc on vous dit de céder le contrôle. Ensuite, ici nous avons accédé au pouvoir. Votre force est incommensurable. Voilà, on voit une personne comme si qu'il y avait du vent. Voilà. On a du mal à avancer, mais on y arrive quand même, hein. Et nous avons toujours cette petite lanterne qui doit quelque part nous éclairer à l'intérieur de nous-mêmes aussi. Donc ici, on vous demande d'accéder au pouvoir. Pouvoir, j'aime pas trop ce mot-là, mais quelque part, ça veut dire aussi d'accéder, aller de l'avant. Vous voyez, il y a une, on voit une tempête, hein, on voit que cet homme a du mal à marcher. Voilà, alors on dirait que je ne sais pas ce que c'est là, bref, hein, on voit qu'il a du mal à avancer. Donc, quelque part, on vous dit de garder cette force aussi, hein, pour certaines personnes. Ici, on vous dit le sentier étroit, ok, avancer de manière réfléchie. Donc, avancer de manière réfléchie via ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire aussi de chercher aussi la logique en toute chose. D'accord? En toute chose, de manière réfléchie. C'est pour ça qu'ici, hein, ici, nous avons le voyageur sacré qui vous aide à vous éclairer. Hein? Et ici, on vous dit, ayez une vue d'ensemble, voire d'en haut. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, hein? Il faut avoir une vue d'ensemble de tout ce qui se passe à travers le monde. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Et ensuite, nous avons ici le voyage du cœur. L'amour coule à travers, pardon, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Donc, ça revient encore, comment dire, être toujours dans l'amour. Avec le chakra du cœur bien ouvert, et on vous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. En plus, il est très beau ce graphisme. Et on vous dit ici, ouvrez votre cœur à la joie. La joie et l'enchantement. Donc c'est pareil, on va faire travailler sa joie. On va faire travailler son enfant intérieur pour retrouver la joie ou garder cette joie. Puisqu'on va avoir des annonces, il me semble, aujourd'hui. D'accord? Voilà. Ensuite, ici, on vous dit restez concentré, mais maintenez le cap. Hein, comme je vous dis toujours. On garde le cap, on ne baisse pas les bras, et puis surtout, restez concentré, d'accord? Puisque là, on voit, hein, cet homme qui regarde de loin, et puis on vous demande de rester concentré et de maintenir le cap. Vous allez comprendre, comment dire, cette lame ici, hein, je vais la mettre de côté. Ici, il y a noté gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Vous voyez, malgré qu'il y a des montagnes, il faut toujours aller de l'avant et ne plus regarder en arrière. Hein. On voit bien ce personnage ici, hein, qui va gravir ces montagnes. Alors, vous voyez les petites premières et tout ça. Mais après, vous voyez. Mais après, il y a la lumière qui est derrière. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ici. On voit la lumière qui est derrière. Donc, il faut aller toujours de l'avant et ne plus regarder donc en arrière. Hein, ce qu'on nous dit ici.
Ici, on nous dit au gré de la route, apprécier le voyage, mais ce que je vois ici, c'est un renard et une boussole, et puis vous voyez, il y a comme des, comment dire, des papiers, ça pourrait être des contrats. Hein. Les renards sont très rusés, hein, si vous voyez de qui je parle, via aussi ces annonces. Donc, effectivement, il nous parle de mettre en route une loi pour le 15 janvier 2022, ces renards rusés avec la boussole. Ici, on vous dit apprécier le voyage parce que personnellement, ça ne va pas tenir la route. D'accord? Au gré de la route, ça ne va pas tenir de la route, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, hein. Et puis si on vous dit de découvrir la vérité, vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc il y a des personnes parmi vous qui sont vraiment dans cette lumière de ces vérités, parce que je parle de plusieurs vérités, d'accord? Donc on vous éclaire, on vous dit de rester bien concentré, on vous dit de faire un travail sur votre joie, hein, faire travailler la joie, garder la joie et de ne pas la... l'abandonner, on va dire, mais ici, découvrir la vérité. Donc, avec ce que je vois ici, on va apprendre des vérités. Ça fait longtemps que je le dis, hein, si ça fait pas 2 ans. Et vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, y a vraiment des personnes ici qui, comment dire, qui ont été donc bien éclairées, hein, bien éclairées. Hop, voilà, on vous a bien éclairé, hein, avec cette lanterne ici. Et d'autres moins bien. Et ce qu'il y a au bout, vis-à-vis de tout, tout, tout. Alors, où sont ces renards rusés? D'accord? Je vous ai dit que cela n'allait pas tenir. OK? Ici, on vous dit de traverser des ponts. Donc, on traverse un pont. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Est-ce que cela vous parle? Donc, nous avons appris certaines choses en ce qui concerne donc. Hop, c'était trouble, désolé. En ce qui concerne le docteur F. Et apparemment, je vous ai parlé aussi il y a très longtemps avec l'oracle de la triade, de l'armée, de l'armée, de l'armée. Et c'est ressorti donc hier avec ces toutes petites cartes-là qui m'ont bien parlé depuis très très longtemps. Donc effectivement. Ça nous parle aussi donc de l'armée. Et apparemment, il a été libéré par l'armée. OK? Et bizarrement, dans les médias, ils nous disent que si ce multipass vax passe, apparemment, on parle du 15 janvier 2022. Mais je vous dis, c'est vrai que j'ai pas pensé à baisser. Je vous dis que ça ne tiendra pas. D'accord? Ça ne tiendra pas. Pourquoi? Parce que ici est sorti ces renards rusés. Ce renard, nous avons ici comme une boussole. Et puis ici, ça me fait penser comme un contrat, une loi. Voilà. Donc, c'est rusé, d'accord? Mais, ici, ça nous parle de découvrir la vérité. Des vérités, je dirais. Et après, ici, nous avons traversé le pont. Donc on passe d'un endroit à un autre, d'un point A pour aller vers un point B.
Et on vous dit, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc voici, c'est pas très long. Alors il faut, comme on voit cet homme hein, qui lutte par une tempête, il lutte, mais il avance quand même hein, par sa force intérieure. Donc il faut faire comme cet homme ici. Voilà, et je dirais aussi de ne pas vous précipiter, faire, vous voyez ce que je veux dire, l'injecte, voilà. Et surtout, on vous dit voir d'en haut, mais aussi ayez une vue d'ensemble. Donc, d'ensemble, c'est en général, hein. Je ne parle pas que du coco, d'accord? Donc ici, on voit un homme qui regarde, voilà, qui reste concentré. Et on vous dit ici de maintenir le cap. Parce qu'avec ce qu'il voit au loin, on voit ceci, ce que je vous ai dit, mais on voit aussi ce qu'il y a décrit ici. D'accord? Et il est sorti donc aussi... la protection des anges. Les anges vous chérissent. Voilà. Eh bien, vous voyez, c'est pas très long. Voilà ce que j'en ai conclu, ce qu'il en est sorti. Et puis, je reviens vers vous donc ultérieurement pour les dires de cette personne, comme je vous l'ai dit. Et puis, pour des preuves, hein, d'accord, que j'ai notées parce que voilà. Déjà, ça nous parle d'avions. Apparemment, il y a eu beaucoup d'avions d'annulés. Rappelez-vous, avec l'oracle de l'arbre de vie, hein, je voyais, je m'excuse, la fleur sort, mais on ne voit pas encore sa couleur. Voilà, il faut encore attendre un petit peu. Peut-être que vendredi, peut-être qu'on aura la couleur de cette fleur. Bref. Je ne sais plus c'est où j'en étais. Oui, apparemment, il y a eu de nombreux vols d'avions annulés ce week-end qui est passé là. D'accord? Mais pas que. Donc, voici, voilà. Je vais vous laisser. Je vous retrouve donc ultérieurement. Et je vous dis donc à tout à l'heure. Bisous, bisous.